Alors, on est à Ambre, on est sur la route départementale et on est dans les fumées. On ne voit pas à 5 mètres. C'est infernal. On n'arrive même pas à distinguer la route à plus de 5 mètres devant soi. À Ambre. Je sais même pas où est le carrefour pour tourner. C'est la folie. C'est l'apocalypse. On va monter vers Sainte-Cécile pour voir un petit peu ce que c'est, comment c'est de haut. C'est un truc de fou. Même le brouillard le plus dense, c'est pas comme les fumées. Vraiment compliqué de conduire avec cette fumée-là. J'imagine les gens qui arrivent de Gaillac. La densité des fumées est vraiment impressionnante. J'arrive même pas à identifier où je suis. Je suis sur la route de Sainte-Cécile pour essayer de prendre un peu de hauteur. On pourrait se croire en Californie pendant les incendies. J'y étais pas, mais j'imagine que ça devait être comme ça. À la fois irrespirable, ça irrite la gorge. Et puis avec une visibilité quasiment nulle. Sur la route de Sainte-Cécile, on est juste à côté des plantations de pommiers et là aussi ça brûle. On est vraiment obligé de prêter une attention exceptionnelle pour pouvoir se déplacer. C'est impressionnant. J'arrive tout juste à distinguer la route. À monter un petit peu. Et effectivement, je pense qu'on va bientôt sortir des fumées. C'est vraiment incroyable. Regardez le soleil. Ça y est, on sort des fumées. On voit le soleil qui est complètement voilé. C'est surprenant. Il est déjà haut dans le ciel. On dirait vraiment un gigantesque incendie qui a couvert tout le territoire. Et on est
est sur les hauteurs de Hambre, du côté de Montferrier, et on s'aperçoit effectivement que les fumées sont très très denses, les fumées des pommiers. Alors dans la montée, effectivement, pour venir ici, on ne voyait pas à 3 mètres, c'était infernal, on se serait cru dans les brouillards d'un gigantesque incendie, et on s'aperçoit que ça s'étend vraiment très très loin. Voilà, si on regarde un petit peu plus loin, les fumées, elles vont jusqu'à Groyais, Briatexte. C'est vraiment quelque chose de surprenant aujourd'hui. Le froid a maintenu ses fumées sur l'ensemble du territoire du Jorat, et c'est assez catastrophique. Tous les gens sont perdus, ils s'arrêtent. Voilà, c'est Voray Nature Environnement, on est le mardi 13 avril, il est 8h40. Et je me trouve sur les hauteurs, du côté de Saint-Gaudens, entre Saint-Gaudens et Ambre. Et on s'aperçoit des fumées qu'il y a sur tout le territoire. Donc voilà. Là, c'est Ambre. Et puis on voit que les fumées, cet épais nuage noir, dérive. Très loin. Vers là-bas, on est sur du côté de Fiac. Voilà, je refais un petit tour. Donc dans la vallée, c'est complètement bouché. On voit pas à 3 mètres. Il y a beaucoup de circulation aujourd'hui sur cette route parce que les gens passent par les hauteurs pour se rendre d'un côté à l'autre de la Vore. Si on regarde de l'autre côté, on voit que le ciel est dégagé. Voilà, donc je suis en train de redescendre de Montferrier. Juste en face de moi, c'est le village d'Ambre, qui est à moitié dans les fumées. Et puis effectivement, on voit qu'ici, il y a de la fumée blanche, des bougies de stéarine, et de la fumée noire, qui sont les chaufferettes de gasoil, qui sont brûlées par les vergers de Fontorbe. Voilà pour un petit état des lieux. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Bah, ici, on est aussi dans des pommiers à Ambre. Ce n'est pas les pommiers de Fontorbe. C'est une autre exploitation et vous apercevez qu'ici, il n'y a pas de bougie.